Oui, bonsoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment donner l'accès à un développeur ou à un employé à votre compte Facebook entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise, ça peut arriver que vous ayez besoin de donner les accès à un employé, soit pour la gestion de votre contenu ou pour être en mesure de faire des manipulations au niveau des API ou au niveau de la création des fonctionnalités. Donc, juste pour un peu mettre en contexte, nous travaillons par exemple avec des entreprises pour être en mesure d'intégrer des modules de communication comme Facebook Chat ou alors de créer la possibilité aux entreprises de mettre l'option de connexion avec Facebook. Et pour ce faire, parfois on a besoin d'avoir accès au compte Facebook de l'entreprise. Donc, je vais vous expliquer les étapes à suivre et nous allons voir ensemble comment ça marche. Donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous voulez donner accès à un employé, c'est aller sur votre navigateur. Donc, vous allez aller sur votre navigateur. Bon, peut-être je vais essayer de déplacer. Donc, vous allez aller sur votre navigateur, vous allez chercher Business Facebook. Et quand vous allez aller, quand vous allez être au compte Facebook, Business Facebook, normalement, il faudrait regarder pour voir quelle page Facebook vous souhaitez donner accès à votre employé ou à un développeur. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai plusieurs pages ici. Je vais cliquer sur au site web. Et ensuite, il faudrait aller sur l'onglet Settings, donc ou Configuration. Et là, vous avez l'onglet People. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur Ajouter. Et vous allez mettre l'adresse courriel du développeur ou de l'employé que vous souhaitez ajouter. Bon, dans ce cas particulièrement, j'aimerais ajouter peut-être mon adresse courriel. Okay, donc là, je vais ajouter mon adresse courriel et je vais cliquer sur Suivant. Et à ce niveau, il y a les options d'ajout. Donc, est-ce que vous voulez ajouter comme employé ou administrateur? Je pense que c'est plus recommandé de mettre comme employé, tout simplement parce que vous ne souhaitez pas que un employé puisse avoir la possibilité de supprimer votre page. Parce que bon, on a eu cette expérience dans le passé où il y avait quelqu'un qui gérait la page avec nous, mais la personne a dû supprimer. Donc, ce qui fait que vous allez sélectionner l'onglet Employé et vous allez cliquer sur Show Advanced Options où vous allez sélectionner l'onglet que vous souhaitez assigner à cet employé. Donc, si c'est un développeur, éventuellement, il faudrait donc assigner développeur. Si c'est un analyste financier, il faudrait assigner analyste financier. Si c'est un éditeur, bon, un éditeur financier, vous pouvez aussi sélectionner cette option. Bon, dans le cas qui nous concerne, si c'est par exemple un développeur, donc je sélectionnerai développeur et ensuite je vais cliquer sur suivant. Et à ce niveau, il faudrait donc sélectionner l'entreprise. Donc, et ça, c'est la liste des pages qui s'occupent et des fonctionnalités qu'on a eu à développer. Donc, comme vous voyez ici, il y a les pages Facebook qui sont disponibles et il y a aussi les API que nous avons eu à développer. Donc, ça veut dire que vous pouvez donner l'accès selon le besoin à une entreprise, à un développeur ou à un employé en fonction des options qui se trouvent ici. Donc, moi, je souhaiterais donner accès à ProcyWeb, par exemple, et je souhaiterais aussi donner accès au Facebook Pixel de ProcyWeb. Donc, et ensuite, je vais cliquer sur Suivant. You continue. Ok, donc dans ce cas particulièrement, je vais. Oui, bon, du moins, je peux. Ensuite, je fais suivant. Bon, je fais continuer. Et je peux envoyer l'invitation. Donc, à ce niveau, vous allez cliquer sur Send Request. Et quand je vais cliquer sur Send Request, donc, ça va me dire l'invitation a été envoyée. Et normalement, si je vérifie mon adresse courriel. Ok, donc là, dans mon adresse courriel, j'ai le message qui dit You have been invited to join ProcyWeb Inc. Donc là, je vais cliquer sur Get Started. Et quand je vais cliquer sur Get Started, on va me demander de mettre mon nom. Bon, je vais mettre mon nom, Giblas. Et je vais cliquer sur Continuer. Et à ce niveau, il y a Verify, Country, Canada. Et ça, je clique sur Continuer. Et ici, ça me dit, OK, Verify. Bon, alors là, je clique sur Accepter l'invitation. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser en bas de cette vidéo et ce sera un plaisir de les répondre.
Merci beaucoup et passez une excellente fin de journée. À bientôt. Bye.